On va parler de l'un des plus gros points forts dans le jeu Dragon Ball Sparkling Zero, car ouais, il y en a plusieurs. On avait déjà fait une vidéo où l'on parlait justement du mode What If, mais là, cette fois-ci, on a également un autre point fort, la customisation. Et je vous parle pas de simplement la customisation des personnages, non, il y a également la customisation au sein même des modes de jeu, et on en parle dans cette vidéo. Yo tout le monde, c'est Fnatic, on se retrouve aujourd'hui pour du Dragon Ball Sparkling Zero, comme j'ai pu vous le dire, max de pouces bleus, mode bien évidemment comme d'habitude, et on va aller directement, eh bien, sur mon écran. Dragon Ball Sparkling Zero dévoile ses options de personnalisation. Donc là, voilà, on avait déjà eu un article, je vous la fais courte, au cas où pour ceux et celles qui avaient raté l'info, ou du moins si vous ne maîtrisez pas ce sujet. Dragon Ball Sparkling Zero offre la possibilité aux joueurs de personnaliser leurs combattants, et c'est un petit plus qui pourrait bien faire basculer l'issue des combats. Là, on parle de la customisation des combattants. Ensuite, vous allez voir où je veux en venir. Attendez, patientez. Bandai Namco a présenté en détail le jeu et la manière d'y jouer dans un guide du débutant de Dragon Ball Sparkling Zero publié cette semaine. La plupart des informations contenues dans ce guide pour débutants étaient probablement déjà connues des vétérans de la franchise Budokai Tenkaichi. Oui, oui, on est là. Mais il comprend une section qui explique plus en détail comment prendre en main la personnalisation des combattants. Il y est question d'apparence, mais aussi de bonus de compétences pour les joueurs. Et c'est là où on va y venir. Comme indiqué au bas du guide du débutant, Dragon Ball Sparkling Zero permettra aux joueurs de personnaliser les tenues de certains combattants. L'exemple utilisé ici, c'est Goku qui a de nombreux looks différents au fil des différentes séries et des films Dragon Ball. Le concept de personnalisation est simple. Les joueurs pourront choisir entre toutes ces tenues et accessoires. Donc là, regardez, ça me fait penser un petit peu à du Fortnite, ok? Voilà, un Goku, écran bleu, bon, c'est classique, c'est basique, ça fait penser un peu à du Fortnite, sauf que bon, bah, les graphismes sont bien meilleurs, ok. Et en fait, ici, vous avez une flèche, on va retrouver toutes les tenues que vous avez débloquées de Goku. Et souvenez-vous, on a vu récemment dans le trailer qu'il avait même la tenue Yadrat, etc. Donc ça veut dire que au sein même du jeu, on va pouvoir aller farmer des quêtes, etc., faire des choses, peut-être même dans le mode histoire, pour débloquer des tenues, récupérer des zénis, pour ensuite peut-être aller invoquer Shenron pour obtenir des tenues, pour ensuite équiper le personnage et partir en combat avec. Voilà, comme ça au moins, tu pourras utiliser ton personnage dans la tenue que tu veux. On peut le voir, on a du DBZ, on a quand il est torse nu, on a également sa tenue DBS, d'accord, quand il s'entraîne avec Whis, etc., ou même dans DBZ Fukatsu no F, on a également, voilà, la tenue DBS avec les cuissons, enfin bon, bref, voilà, on a pas mal de tenues. Et ensuite, on a également les accessoires. On le sait que dans le Season Pass, d'accord, pour les personnes qui ont pris la plus grosse version, ils vont avoir le Nyoibo, c'est-à-dire le fameux bâton magique. Et ce bâton magique, quand tu vas équiper Goku avec le bâton magique qu'il aura dans son dos, c'est pas juste un accessoire esthétique, non, 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 non. Il va également pouvoir prendre le bâton et faire des moves différent de ce qu'il a dans son gameplay habituel. Donc ça veut dire, je sais pas, je te dis une bêtise, tu fais 4 fois carré, tac tac tac, t'as tapé 4 fois carré, normalement avec Goku, il va donner des patates, des coupiers, etc. Et bah là, du coup, si tu lui mets le bâton, il va prendre son bâton et ta 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 ta, il va faire un combo avec son bâton magique, avec le Nyoibo. Ça, c'est une dinguerie. Franchement, je kiffe, parce que du coup, tu peux penser justement avec le Nyoibo, tu peux penser à Trunks également, il y aura moyen de faire des trucs, pourquoi pas même pouvoir mettre l'épée de Trunks sur Mirai Gohan. C'est... Voilà, on ne sait pas, c'est une possibilité. Franchement, au vu de ce que les devs sont en train de nous préparer, c'est un délire. Et moi, quand je vois ça, ça me fait penser franchement à du pass de combat. Je me dis, on risque d'avoir des passes de combat. Franchement, les gars, pour débloquer les tenues, vous kifferez pas avoir un pass de combat? Faire ça tous les jours, etc., des petites missions à gauche, à droite, pendant toute la durée du pass de combat, pour récupérer les tenues, les accessoires, des bottes, je sais pas, pourquoi pas, voilà, l'armure Saiyan quand il est dans la salle de l'esprit du temps, tu vois, plein de choses, franchement, je kifferais. Pourquoi pas la tenue fermier de DBS dans les premiers épisodes de Dragon Ball Super, quand il a sa tenue fermier, allons-y, moi je dis oui,
voilà, de la diversité. Il y en a, ils en auront rien à cirer de la tenue du fermier. Mais tu sais quoi, moi, pour le kiff, bah, j'aimerais bien faire ne serait-ce qu'un combat avec la tenue du fermier, tu vois. Ça, c'est des choses vraiment amusantes, intéressantes et qui donnent une plus-value au jeu. Ensuite, on continue. Alors, ici, on voit Goku dans différentes tenues, dont une où il portait une version en lambeaux de son gi dans le haut. Donc, sa fameuse tenue, hein, vous savez. Ce qui est un look courant pour le héros de Dragon Ball lors de ses combats. Le guide a même confirmé que les différentes tenues utilisées par les joueurs affecteront parfois les mouvements du personnage. Ce que je vous ai dit, d'accord? En fonction des tenues, le gameplay va changer et au niveau des accessoires avec le Nyoibo, là, clairement, les combos vont changer. En plus des personnalisations de tenues, vous pouvez également ajouter jusqu'à 10 accessoires à la fois. 10 10 accessoires. Là, il y a juste une petite chose qui me fait peur. C'est que j'espère qu'en mettant des accessoires, ça ne sera pas effectif pour le online. Je vous dis une bêtise, vous avez vu quand il est sur l'arc Namek, ok? Il sort de sa capsule et il a la petite pochette Senzu accroché autour de sa taille. Imagine, tu peux lui mettre des Senzu. Imagine que pendant le combat, tu as perdu de la vie et tu utilises un Senzu. Alors en PVP, c'est pas possible. Moi, honnêtement, je pense qu'en PVP, ça ne sera pas possible de pouvoir utiliser ce genre de boost. Voilà, peut-être certains trucs et tout, ok, mais ça serait beaucoup trop déséquilibré. Par contre, pour le mode histoire, ça, il y a peut-être moyen. Ou pour le mode what if, etc. Ça, il y a moyen, tu vois, voilà. Après, on verra bien. En plus des personnalisations de tenue, vous pouvez également ajouter, donc voilà, ça je l'ai lu, tous ces détails de personnalisation et bien plus encore peuvent être consultés dans les détails ci-dessous. Tenue, vous pouvez changer la tenue du personnage en fonction des tenues débloquées en votre possession. Veuillez noter que ce changement est purement cosmétique et n'a aucun impact sur les statistiques. Ouais, vous voyez ou pas? Si tu mets des tenues, ça n'a aucun impact sur les statistiques. Au niveau des stats, quand tu frappes, ça n'a pas d'impact. Mais peut parfois changer l'éventail de coups selon la tenue équipée. Comme j'ai pu vous le dire, les combos peuvent changer. Accessoires, vous pouvez choisir d'équiper certains personnages spécifiques avec leurs accessoires de l'animé, ce qui peut vous octroyer des boosts ou aptitudes supplémentaires pendant le combat. Et c'est là où, par contre, j'ose espérer que quand il parle pendant le combat, c'est hors online. Sauf si tu as customisé le combat pour utiliser des boosts. Je vais y venir après, c'est de ça qu'on va parler. Après la customisation des personnages, la customisation des modes de jeu. On va y revenir. Bon. Ceci définira des compétences supplémentaires basées sur le type de personnage sélectionné. Et les capsules, vous pouvez améliorer les compétences de personnages, vitesse, force, PV, à travers des personnalisations par capsule. Pareil, ça, j'ose espérer que c'est pas pour le PVP. J'ose espérer que c'est pour du offline, du mode histoire, voilà. On espère. Donc voilà, le guide Dragon Ball Sparkling Zero sur la personnalisation a montré que chaque personnage du jeu sera personnalisable, bien qu'on ne sache pas encore vraiment jusqu'où ces options de personnalisation iront pour les personnages moins populaires que Goku, Vegeta, Piccolo ou encore Gohan. Voilà, faudra voir pour le reste des personnages que ça donnera. Maintenant, on va aller là-dessus. On a eu récemment, voilà, c'était il y a 3 jours, je crois, un truc comme ça, Bandai qui nous a dévoilé cette petite vidéo. Le mode tournoi qu'on peut customiser. Oui, oui, tu peux le customiser. Oui, on m'a dit, Soso, pourquoi t'as pas encore réagi? Bah parce que j'avais pas encore eu le temps. Et du coup, je voulais faire une vidéo complète concernant la customisation et pas juste vous faire une vidéo où on parle du tournoi et basta. Non, c'est un tout. On a les personnages qu'on peut personnaliser et on a également les modes de jeu qu'on peut personnaliser, à savoir là, en l'occurrence, le mode tournoi, sans vous parler également du mode histoire que vous pouvez également customiser. En fait, on a un jeu qu'on peut personnaliser de A à Z. Que ce soit le mode histoire, vous faites des what if, etc. Il y a un mode exprès what if. Tu peux personnaliser également tes personnages. Tu peux personnaliser les tournois en online ou offline. Regarde, c'est marqué online, offline. Ok, on continue. Donc tu choisis, là en l'occurrence, la personne, elle va choisir en mode offline. Tu choisis. Player match, ranked, donc tu vois, si tu veux que ça soit des matchs classés ou non, incroyable. Là, tu choisis single battle, donc si tu veux être tout seul, rang similaire au tien, bonne collection, etc. Ok, très bien, on peut bien customiser tout cela.
Franchement, je trouve ça cool, si t'as envie d'affronter plus fort que toi ou quoi. Ensuite, là, voilà, il y avait marqué Super, je sais pas quoi, là, et World Tournament. Attendez, hop, voilà. Super Training, donc tu peux t'entraîner, Super Entraînement, etc. Battle ou World Tournament, donc le tournoi mondial. Ok, très bien, on y va. Et là, du coup, tu peux choisir. Soit tu pars en offline, soit tu pars en online. Donc, ça veut dire que tu peux avoir le tournoi mondial contre l'IA. En fonction de ton classement, tu seras classé au niveau offline. Donc après, une fois que c'est offline, il y aura sans doute un classement des gens qui ont battu les IA, etc., les meilleurs scores et tout ça. Et ensuite, tu as également online les gens qui ont battu, qui se sont battus entre eux, quoi. Tout simplement, avec également un classement et tout. Moi, je trouve ça super bien. Et là, dinguerie de ouf, préparez-vous. Customisation de A à Z. Créer ton tournoi, Create Tournament. Non mais les gars, regardez, Create Tournament, World Tournament, Cell Games, Other World Tournament, les gars, il y a même Tournoi du Pouvoir, il y a même Yamcha Games, et ça, c'est Day One. Dites-vous bien qu'il va y avoir des mises à jour, il va y avoir des ajouts, ok? Player Character Restriction, tu peux mettre on, off, etc. Timer, tu peux mettre 180 secondes, illimité, tu mets ce que tu veux, tu choisis le stage. Tu choisis le type de match. Donc là, lui, il a mis single battle, c'est-à-dire un personnage. Tu peux mettre en 3v3, 5v5. Tu choisis customisation, on. Voilà. Donc là, c'est toi qui choisis. Soit tu mets comme quoi la customisation des tenues avec les boosts va être effective. Soit du coup, tu mets off pour que tout le monde soit au même niveau. Donc ça, c'est en fonction des goûts et des couleurs, voilà. Et des fois, tu as peut-être des gens qui voudront se mesurer face à des mecs qui ont justement plein de boosts sur eux. Et le mec va dire, moi, j'en prends pas. Et je vais essayer de les taper sans boost. Tu vois, ça peut être un défi. Ça peut être un défi également. Donc voilà, HP recovery et donc full recovery. C'est-à-dire que à chaque combat, tu récupères tes HP ou alors tu peux aller dans la difficulté. Tu ne récupères pas tes HP et tu vois, alors les HP, les points de vie, hein, et tu vois si tu arrives à aller jusqu'à la fin du tournoi en gardant les mêmes points de vie. C'est franchement incroyable. Flying, donc voler, oui ou non, on ou off. Les gars, soit tu restes au sol, tu te fais de la bagarre au sol, soit tu peux voler. Mais c'est une dinguerie. Enfin, franchement, c'est une dinguerie, les gars. Donc voilà, et ça, c'est Day One. Non, franchement, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. La customisation au sein même du jeu va être folle. C'est là où on se dit, la durée de vie et la longévité du jeu va être dingue. Imaginez-vous les tournois qu'on va pouvoir réaliser avec la communauté. C'est fou. C'est fou. Regardez, boum, hop. Là, c'est pareil. Attendez, parce que on se rend pas compte, mais regardez bien. Là, il éjecte le sel. Regardez bien le sol. Pas cratère. Hop, voilà. Et en plus, il est sorti du ring. Oui, il est sorti du ring. Il est sorti du ring, il a perdu. Tu peux également customiser ça. Alors, soit tu mets on, soit tu mets off. Mais franchement, les gars, non, c'est incroyable. Franchement, c'est vraiment incroyable. Bref, max de pouces bleus sur cette vidéo. Je voulais vraiment vous faire un récap très constructif concernant justement la customisation et la personnalisation. Et pas vous balancer, ouais, regardez, on peut customiser les tournois. Non, je voulais vraiment vous montrer tout ce qu'on peut faire dans le jeu What If, mode histoire, personnalisation des personnages avec accessoires, tenues et également personnalisation des modes de jeu tels que les tournois online, offline, etc. Le jeu va être dingue. J'ai vraiment hâte, comme j'ai pu vous le dire, max de pouces bleus en mode gameplay d'amour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.